Solidaire d'abord. Bonjour Nicolas. Enchanté. Marie-Claude. Enchanté. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui ne nous enchante pas du tout. On va parler de toutes ces lois liberticides. Et en fait, on se disait en préparant l'émission que ça fait penser un peu à une révolution copernicienne. Alors, vous allez me dire tout de suite, oh, les grands mots et tout. Oui, en fait, la révolution qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit que c'était pas tout qui tournait autour de la Terre, mais la Terre tournait aussi autour du Soleil. On appelle ça la révolution copernicienne. On en a parlé quand, à un moment donné, pour les enfants à l'école, on a fait passer l'éducation de le maître était le centre, jusqu'à ce que ça devienne l'enfant qui devenait le centre. C'était une révolution copernicienne. Et ben nous, dans notre démocratie, on est en train de vivre une révolution copernicienne. Avant, c'était le citoyen qui était au centre de toutes les stratégies. Et puis maintenant, c'est les policiers qui sont au centre. C'est-à-dire, on va même faire des lois pour protéger les policiers bientôt. Hein, il faut protéger les policiers. On rentre dans l'absurde de l'absurde. Mais alors, par rapport à tout ça, Marie-Claude, tu as plein de chiffres sur justement ce qui serait les gens en responsabilité de la sécurité. Plein de chiffres, peut-être pas, mais donc au nom de la lutte antiterroriste, on a tout un panel de dispositifs qui sont rentrés dans le droit commun. Avec ce qui existait déjà, ça devient plutôt terriblement liberticide. Bon, alors voilà que maintenant, on met des dispositions qui concernent agents de sécurité privée et policiers municipaux. Quand on compte la gendarmerie nationale, la police municipale, agents de sécurité privée, on arrive à 500 000 personnes. 500 000. Un demi-million de personnes qui sont en partie, du contrôle de... Enfin, la police, quoi. Voilà. Et la France est l'État de l'Union européenne qui a le plus de forces de l'ordre. Dépositaire de l'autorité publique, comme ils disent. Tu sais. Voilà. Et alors, justement, 500 000, et en gros, quand tu enlevais les vieux et les enfants, il reste 50 millions peut-être de la population à mener dans la paix, les gardiens de la paix. Voilà. Hein. Donc 500 000, ça veut dire 1% de la population et policière. Oui. Oui. On bascule sur des chiffres où je vous signale que c'est comme ça qu'on définit une dictature. Voilà. Voilà, ouais. Et donc, en fait, cette proposition de loi, elle organise le transfert des prérogatives régaliennes, en fait. Maintien de l'ordre public, police et gendarmerie, entre autres, au profit des sociétés privées. Et du coup, si cette loi passe... Je pense que nous allons assister à un brouillage des missions entre police publique et le privé. La police municipale va avoir des pouvoirs de la police judiciaire, tels que le pouvoir d'interpellation ou de constatation de délit. Les agents de sécurité privée, donc les vigiles, qui ne sont pas du tout formés, pourraient avoir des prérogatives pour faire des palpations de sécurité, fouiller des bagages, effectuer des missions de surveillance de l'espace public, telles que lors des manifestations sportives, culturelles, récréatives ou autres. Savez-vous que dans certaines villes, il y a moins de police nationale que municipale ? Tout doucement, on passe sur un truc là. Alors, qu'est-ce qu'on est autour de la table là ? Eh bien, on est trois citoyens qui avons participé à toutes les manifs Marche pour la liberté, hein, depuis un petit moment, il y a ça au Benin. Et dans ces marches pour la liberté, en fait, petit à petit, s'est constitué un espèce de collectif de lutte dans lequel, Nicolas, hein, tu t'es inscrit aussi, tu fais partie de ces collectifs. Ben effectivement, c'était très spontané. Hein. C'est vrai qu'il n'y a rien d'officiel. Hein. On aime bien le terme collectif parce que c'est vraiment un mouvement d'initiative citoyenne spontanée qui, ben, en fait, est choqué par
les nouvelles lois qui sont en train de nous sortir, qui sont complètement liberticides. Ce qui nous choque tous, c'est que je pense que la trame de fond dans toutes ces manifestations pour la liberté, c'est bien clair, c'est vraiment la liberté individuelle. On nous enfantilise beaucoup trop, en fait. Je pense qu'on est beaucoup plus responsable qu'on nous le fait croire, et donc en fait on va empiéter sur nos libertés au nom des sécurités, au nom de la sécurité, parce qu'on n'est visiblement pas capable de se sécuriser tout seul, donc on nous infantilise, et on nous réprime au nom de la sécurité. Donc ça en fait c'est effectivement le cœur en fait, je crois, du mouvement qui se passe en tout cas au Benalla et dans le reste de la France, hein, parce que ça bouge aussi beaucoup. Voilà, on s'en rend bien compte, hein, la première chose qui nous montre ça, c'est les mesures sanitaires en France. On n'a pas assez de place de lits dans les hôpitaux puisqu'ils ferment les lits. Ils continuent de fermer les lits actuellement. Hein, ils continuent de fermer les lits des hôpitaux. Et en même temps, ils nous disent « Attention, hein, il faut être responsable, hein, porter un masque et respecter les gestes barrières. » C'est ça. Et quand on sait que, bon, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, hein, le coût du « les hôpitaux publics, on va supprimer des lits » et plus tard prouver l'inefficacité des hôpitaux publics et vanter le mérite des cliniques privées, je veux dire, je sors pas de Saint-Cyr, on a bien compris dans quelle direction on allait là. Ouais. Alors c'est vrai que tout ça, il y a eu un débat, alors évidemment un débat que je n'ai pas regardé, hein, ne vous imaginez pas que j'ai accepté de vendre mon âme à ce point-là. Le Pen, Darmanin, non, je n'ai pas regardé, mais j'ai été obligé de constater et d'entendre les commentaires qui ont été faits derrière. Et entre autres, il y a eu deux petits commentaires qui m'ont quand même un peu allumé la tête. C'est, j'ai entendu que Madame Le Pen a expliqué à Monsieur Darmanin qu'elle aurait pu signer son livre, puisque Darmanin a écrit un livre. Si, 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 je vous assure, Darmanin est capable d'écrire un livre. Et donc, il a écrit un livre, et Madame Le Pen a expliqué qu'elle aurait pu le signer. Bon. Elle est fan. Donc, vous voyez bien un petit peu le truc. Et après, Darmanin a expliqué à Madame Le Pen qu'elle était trop molle. Bon, on cherchait l'erreur. Donc, finalement... on ne le savait pas, mais par rapport à aux chiffres que tu donnais tout à l'heure, Marie-Claude, qui nous font penser que beaucoup de policiers, par rapport au pourcentage de la population, ça commence à ressembler tout doucement à une dictature molle. Là, on rentre dans une dictature peut-être encore un peu moins molle, dans l'évocation de ce front renversé. Voilà. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière sur ce sujet-là, sur les lois liberticides qu'on a en ce moment. Alors, Marie-Claude, tu voulais nous parler aussi du brouillage des missions. Alors, justement, oui. Tu as commencé un petit peu en parlant de la police municipale. En fait. Oui, je disais donc que le brouillage des missions, c'est quand... si on transfère au privé, en fait, l'arsenal... Que l'on peut avoir de pouvoir et de technologie, ça va devenir de plus en plus grave. C'est une police. On va devenir un état policier. Et donc, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est de savoir que, par exemple, les polices municipales, je le disais donc tout à l'heure, les polices municipales dépendent des maires, on est d'accord. Qui, en fonction de leur couleur politique ou de certaines de leurs orientations, vont faire apparaître dans les territoires des inégalités de traitement devant la loi, du coup. Moi, ce que je vois, c'est que les agents de sécurité sont autorisés à porter des armes, tout comme la police municipale. 70% sont déjà armés et 52% ont déjà des armes létales. À mon sens, c'est une vraie militarisation de la police. Oui, bien sûr. De plus en plus, on arrive dans un armement. Et donc, cette militarisation de la police, on va donner 100 formations supplémentaires à des policiers municipaux. On va donner l'autorisation de porter, par exemple, un 357 Magnum. Chercher l'erreur. Alors là, par rapport à ça, Nicolas, tu nous donnais des éléments sur qu'est-ce que c'est un 357 Magnum. Il y a des stocks. Effectivement, il y a eu des stocks parce que c'était anciennement... vérifiez donc bien les sources, hein, mais c'est bien c'était des armes attribuées à l'ONF à l'époque. Alors maintenant, savoir si c'est celles-là qui sont réhabilitées, en fait ce que je sais de ça, parce que je suis plutôt un campagnard que quelqu'un qui est un citadin, c'est que c'est une arme surtout extrêmement puissante. Un 9 mm aujourd'hui, ça blesse quelqu'un, vous tirez dans un bras, ça blesse quelqu'un, vous tirez au 357, vous lui arrachez. Là, ça fait peur.
Et alors tu disais c'était ça servait à arrêter les voitures. Bah en fait dans ce qu'on dit donc dans le NEF c'est que le 357 il a été choisi parce qu'effectivement c'était anti braconnage parce que si on tire une balle de 357 dans un moteur de voiture il arrête de fonctionner tout de suite. 9 mm, va falloir y aller. Ouais. Donc à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de ce stock d'armes qui a été retiré à l'ONF. Est-ce que c'est les mêmes armes qui ont été redistribuées aujourd'hui? Enfin, tout, moi, ce qui me surprend surtout, c'est que c'est pas de l'arme lourde, mais on est quand même pas loin, quoi. Je veux dire, un 357 Magnum, c'est pas un taser, c'est une arme franchement létale. Voilà, je veux dire, il faut quand même mesurer. On parle de protection de citoyens avec un 357 Magnum. Ouais. Bon, voilà. Et cette loi, elle a été votée le 29 décembre 2020. Ouais, c'est ça. Mais on n'est plus du tout dans la logique de la police de proximité dont on parlait toi aussi en préparant l'émission, évidemment. Oui. Hein. Et donc tu nous rappelais un petit peu, toi, Marie-Claude, que justement cette police de proximité qui a à un moment donné a fonctionné, n'a fonctionné que pendant 5 ans. Alors pour une fois, Jospin, donc quelqu'un du PS avait fait un truc pas trop moche, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on les cherche un peu quand même les différentes choses qui théoriquement allaient dans le bon sens et qu'ils ont fait. Hein. Mais là, Jospin avait fait ça, police de proximité. Voilà. Sarkozy, non? Voilà. Alors, à partir de 2003, cette police a été complètement supprimée. Moi, je reviendrai bien sur le fait qu'avant, effectivement, parce qu'on parle aussi beaucoup avec les lois séparatistes, voilà, etc. Aujourd'hui, que ça vient donc des problèmes des banlieues, etc. Avant, il y avait ce qu'on appelait des médiateurs qui opéraient en banlieue pour maintenir le calme. Et effectivement, après, donc, Jospin a mis en place, une fois qu'on a supprimé ces médiateurs, une police de proximité. Donc pour moi, là, il y a quelque chose de l'ordre, comment dire, de la bêtise. Moi, je crois que on peut mesurer ce mot-là, parce qu'en fait, on vient de... Quand on a fait ça, on a demandé aux forces de l'ordre, qui à l'époque étaient donc les gardiens de la paix, donc d'endosser un nouveau métier, quoi. Celui de médiateur social. Ils ne sont pas formés pour à la base, il faut bien le rappeler quand même, et ils ne sont pas payés plus pour ça non plus. Ils sont donc sur le terrain confrontés avec des difficultés culturelles et une non-connaissance de la communication et de l'échange entre les citoyens, et eux, ils ne sont pas du tout formés pour ça. Donc en fait, on est en train de réduire avec des grands coupes budgétaires, parce qu'en fait, il s'agit de ça, c'est pour faire encore une fois des économies, parce qu'on est tous économistes hein, dans ce pays, visiblement. Et aujourd'hui, bah, ça nous retombe dessus. Et en fait, on va de plus en plus loin, on va dans la militarisation pour faire régner l'ordre parce qu'on ne sait plus parler. Je ne sais pas si on est économiste ou économisé. Je crois que c'est peut-être un des... Oui, vas-y, Phil, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, bah, oui, voilà, c'est pour ça pour bien rappeler qu'à la base, il y avait quand même, parce que si c'était donc la gauche hein, qui a mis en place ce système-là, hein, ce qui est quand même aberrant parce qu'ils auraient pu tout simplement rétablir les médiateurs. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers la militarisation, c'est vraiment ça le mot d'ordre, c'est à coup de tonfa qu'on va demander aux gens de se dresser et de rentrer chez eux. Voilà. Et c'est plus en discutant avec eux, en leur expliquant les mœurs de la République française, etc., ça se fait ou ça se fait pas, il n'y a plus tout ça. C'est maintenant le tonfa, ou du 357. Alors comprenons bien, on est en train de dénoncer les différentes lois qui sont en cours, la loi sécurité globale, mais aussi cette loi séparatisme dont ils ne veulent pas dire le mot séparatisme d'ailleurs maintenant, parce que c'est un gros mot, alors que c'est eux qui l'ont inventé quand même au départ. Hein. Alors dans cette loi séparatisme, il y a quand même un truc, et alors là c'est sauté au plafond, quoi. Il y avait un article qui était nommé article numéro 25. Qui ressemblait beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, à l'article numéro 24 de la loi Sécurité Globale. Or, à un moment donné, donc, notre cher garde des Sceaux nous a expliqué que non, mais ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, on va changer le numéro. Donc maintenant, ça s'appelle l'article 18 dans la loi, tu vois, séparatisme. Donc on voit bien qu'article 18, ça n'a rien à voir avec 24. Ah, bien sûr. Ah, ben oui. On a bien compté quand même. Même si le contenu est exactement ressemblant. Mais c'est plus le même chiffre. D'abord, il y a un 2 d'abord. Voilà. Dans 24, il y a un 2. Alors que dans 18, il y a un 1. Donc tu vois bien que c'est pas la même chose quand même. Faut pas déconner, quoi. Tu vois ? On fait preuve de discernement, ça. Voilà. Et donc, dans l'article 18 de la loi séparatisme, cherchez l'erreur quand même, il y a un nouveau délit. Il y a le délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée. Attention, je n'ai pas dit qu'on allait filmer des gens ou qu'on allait les enregistrer. C'est encore plus large. C'est les informations. Donc je ne sais pas, les informations, ça peut être un on-dit, ça peut être un article, ça peut être tout ce qu'on veut. Et donc là, on rentre dans un délit de mise en danger de la vie privée d'autrui. Et donc, pour un citoyen lambda, comme vous et moi, je vous rassure, ça n'est que 3 ans de prison.
Voilà, hein, voilà. Et 45 000 euros d'amende. Mais si jamais la personne visée par ce délit était quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, là, c'est 5 ans et 75 000 euros. Donc, tu vois, dans la loi, le numéro 24, on voit bien que ça n'a rien à voir. Dans la loi sécurité globale, l'article 24, c'était 1 an de prison et 45 000 euros. Là, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est 5 ans et 75 000 euros. On voit bien que c'est pas la même chose. Complètement différent. On est bien d'accord. Attention, qu'on se moque un peu de nous, quand même. Alors, Marie-Claude, tu nous as parlé un petit peu du port d'armes, mais tu vas peut-être nous en parler un peu mieux, je ne sais pas, sur le port d'armes. Est-ce que tu avais fini? Ou tu voulais aussi nous parler des différentes technologies qui étaient utilisées? Il y a des technologies. En fait, la militarisation de la police, c'est pas que la police, les êtres humains de la police qui vont être militarisés. C'est aussi, c'est à mon avis, les technologies aussi qui vont être militarisées. On n'a qu'à voir toutes les techniques qui sont mises en place, les drones par exemple. Alors, on sait pertinemment actuellement que les drones, c'est interdit quand même. Hein. Ils n'ont pas eu le droit d'utiliser les drones. Et pourquoi pourtant, ils utilisent quand même oui. Pourtant, la police les utilise. Mmh. Et on ne peut pas avoir une manif à Paris, par exemple, sans qu'il y ait des drones au-dessus des têtes. Là. Et en fait, malgré ça, malgré que le Conseil d'État ait signalé cela et les dénoncé, les drones, on continue, mais les technologies et les techniques de surveillance, c'est les caméras embarquées, c'est tout un arsenal qui arrive pour la reconnaissance faciale. Oui, il est là le danger. Hein. Voilà. Et donc toutes ces techniques de surveillance, moi je dis, tout au moins on entend souvent, si on n'a rien à se reprocher, quel est le danger? C'est quoi le problème? Donc, en réalité, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas seulement les personnes qui ont quelque chose à se reprocher qui devraient être visées, en fait, qui sont visées. C'est tout le monde qui est visé. Et donc, moi, je dis, si j'ai rien à me reprocher, pourquoi je serais surveillée? Mais très bon, très bon, très bon texte. Je dirais qu'on peut, pour ceux qui regardent encore un peu Arte, il y a 7 milliards de suspects, qui est un très bon documentaire sur la reconnaissance faciale, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est tous potentiellement des suspects. C'est l'évolution que moi je vois, effectivement. Maintenant, tu fais une manif, tout manifestant est devenu un potentiel suspect. On rejoint Orwell, hein, 1984, si on n'est pas dans les clous, c'est on est quelqu'un de dangereux. Et en fait, aujourd'hui, en manifestation, c'est hyper compliqué, parce qu'effectivement, on a les drones, on reçoit même des PV, hein, pour avoir eu des amis où ça a été le cas, parce qu'ils se sont fait flasher par un drone en reconnaissance faciale. C'est extraordinaire, quand même. Quand la manifestation, elle est interdite 2 heures avant l'heure de rendez-vous, voilà, et qu'on va flasher tout le monde, c'est un peu comme passer le feu rouge alors qu'il était vert au moment où la voiture passe volontairement. Et donc, tu disais justement que la photo ne permet absolument pas d'argumenter, en fait, puisque c'est complètement déconnecté du contexte. Tout à l'heure, quand tu parlais des caméras, une caméra, elle te prend en train de faire un acte. Eh bien, je parlais de la jurisprudence, parce que ce qui m'embête là-dedans, dans l'utilisation de la technologie de manière intensive et même, je dirais, abusive, c'est qu'aujourd'hui, on va enlever ce qu'on appelle la jurisprudence à tout représentant de l'État, c'est-à-dire les forces de l'ordre, etc. Avant, pour beaucoup de gens, on va prendre des choses qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Comme je disais, il y a beaucoup comme d'anciens de la génération de mes parents, par exemple, qui me disaient avant, quand on était jeunes, si on avait le malheur de boire un verre et qu'on se faisait attraper par la gendarmerie, ils nous disaient de rentrer doucement. Ça passait comme ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus strict, hein, on a bien compris. Donc ce que je veux dire par la jurisprudence, c'est, je prends un exemple de cas concret et simple, on va dire, imaginons que vous êtes à un feu rouge, il y a un poids lourd qui est en train d'arriver, qui n'a plus de frein et qui bouscule tout le monde. Si jamais vous, pour votre survie, pour sauver vos deux gamins qui sont derrière, vous grillez le feu rouge, une fois que l'accident est passé, bien évidemment que l'agent ne va pas vous mettre un PV quand même. Aujourd'hui, si jamais on est flashé automatiquement au feu rouge, qu'il y ait un camion derrière qui va vous tuer ou non, vous n'avez pas à franchir le feu rouge. Alors il n'y a plus de jurisprudence, il n'y a plus d'humain dans l'application des lois françaises parce qu'ils veulent absolument nous foutre tous dans des tableurs Excel. Et ça ne rentrera jamais. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui font des marches pour les libertés aujourd'hui.
Parce qu'en fait, c'est plus possible, on est tous sauf des robots, quoi. Alors, par rapport à tout ce que vous êtes en train de développer l'un et l'autre, Marie-Claude, en disant oui, moi si j'ai rien à me reprocher, pourquoi je serais surveillé, hein, on est complètement d'accord. N'empêche qu'à Nice, on a un mec qui est à l'avant-garde depuis très longtemps, tu sais, il a installé des caméras de vidéosurveillance partout. Et d'ailleurs, on a vu l'efficacité quand il y a eu l'attentat à Nice, tu sais, avec le mec avec son camion qui a écrasé 70 personnes sur la promenade des Anglais. Je ne sais plus si c'est 70, c'est peut-être même plus que ça. Hein. Et donc, bah, le mec, ça faisait une semaine qu'il était dans les écrans de vidéosurveillance, hein, donc il l'avait repéré, enfin plus ou moins, mais en fait ça servait absolument à que dalle. Avec la technologie de reconnaissance faciale. Voilà, c'est bien pas des gens qui sont derrière l'écran, qui disent tiens, je le reconnais, c'est un ordinateur qui reconnaît en disant cette personne est dangereuse. Donc moi là où ça pose problème, c'est que quand on va dire en France, regardez, il y a eu cet attentat-là, il y a des caméras au nom des droits du CNIL, etc., que le CNIL défend. On va interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale, mais enfin regardez, ça a tué 70 personnes, on a les moyens d'arrêter des gens aussi dangereux que ceux-là, et on le fait pas. Quoi ? Alors là, ça monte au créneau, quoi. Et donc c'est la démocratisation qui est en train de se produire aujourd'hui de tous ces systèmes de reconnaissance faciale. Pour notre sécurité, bien sûr. Bien sûr. Même si alors, ça, bon. Je vous rappelle quand même qu'au nom de ces lois sécuritaires, à un moment donné, on a eu un mec extraordinaire, enfin moi je trouvais que c'était un mec extraordinaire juste avant, cet épisode-là, qui s'appelait Renaud Séchant, et qui nous chantait des super belles chansons, et qui s'est mis à chanter une chanson, J'ai un flic. Ouais. Bon, voilà, on peut se retrouver avec des trucs où tout doucement, sans doute, ils vieillissaient un peu. Hein. On parlait tout à l'heure un petit peu des vieux. Bon, j'espère que la Covid va pas tuer tous les vieux, hein. Bah, évidemment. Tous les boomers. Mais bon, Renaud Séchant, là, franchement, il a franchi la frontière qui, pour moi, fait qu'on fait société avec quelqu'un ou pas. Et encore, tu n'as pas entendu le dernier coronavirus. Ah bon, je vais pas l'écouter parce que ça me foutrait le bourdon, et donc il vaut mieux pas. Bon, alors c'est vrai qu'on a, par rapport à la loi, cette loi sur le séparatisme, on a quand même deux organismes, très reconnus, hein, le CNCDH, alors Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, d'une part, et puis d'autre part, la Défenseur des Droits, hein, Claire Hédon, qui a remplacé Toubon, hein, Jacques Toubon, avant, qui était Défenseur des Droits, je rappelle quand même que c'est des gens qui sont nommés par le président, hein, très souvent. Donc très souvent, c'est pas des gens qui sont très très, pour une société, voilà, ils sont pas très virulents, etc. Ben, quand même, ces deux organismes, d'une part la Défenseur des Droits, d'autre part le CNCDH, ont condamné la loi séparatisme comme quelque chose qui va nuire aux libertés. Quoi. Parce que beaucoup trop flou, beaucoup trop vague, et qu'on n'a pas les capacités de maîtrise de la préservation des informations individuelles. Voilà. Il est là le problème, c'est qu'on ne peut pas... Marie-Claude, tu as encore quelques secondes, quelques instants, pour nous parler de l'argent public, si tu veux bien. Ah, l'argent public. Alors, l'argent public finance la recherche technologique. Par exemple, l'Union européenne finance des drones pour surveiller les migrants, en ce moment-là. Ils servent, alors moi je pense que ça sert de laboratoire pour une surveillance plus globale des populations en fait. Voilà. Le gouvernement français a baissé de 11% le budget d'aide alimentaire, ce qui représente 8 millions d'euros, et en même temps il a dépensé, alors je vais vous le dire, accrochez-vous bien quand même, 4 millions d'euros pour des menottes supplémentaires, 4 millions d'euros pour des drones, 3 millions d'euros pour des gaz lacrymogènes et 2 millions d'euros pour les LBD. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup. Si on était tous ébranlés, peut-être on serait plus calme quand même, tu vois. Voilà, pour réfléchir comme c'est ça. Ouais. Et moi je pense franchement, là, avec tout ça, quand je vois tout ça, tout ce que j'ai préparé, enfin, tout ce qu'on a discuté et tout, je me dis que quand même le gouvernement se prépare quand même à un éventuel printemps assez, oui, assez remuant. Ça risque d'être chaud. D'ailleurs, il y a un réchauffement climatique, donc forcément, ça va être chaud. Bon. Alors, Nicolas, tu avais quelque chose à rajouter encore ? En tant que citoyen, vraiment, dans mon coin et ma réflexion, après toutes les choses que je vis en sortant un peu au Bénin et le reste de la France, parce qu'on bouge quand même un peu beaucoup, on a cette chance de pouvoir encore bouger beaucoup.
même si ça devient de plus en plus restreint. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai comme le sentiment qu'on est en train de s'imprimer d'un système sociétal basé sur ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire la surveillance pour toutes et tous, sans exception. Et ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est qu'étant donné qu'on sait maintenant que l'Union européenne a l'aval sur les droits nationaux, c'est eux qui ont les commandes de plusieurs pays dans l'Union européenne, en fait. Et donc les budgets qui sont attribués à la surveillance, à la militarisation, j'invite beaucoup de gens à se renseigner sur ce que c'est que l'Eurogender Force, qui est un groupement de police en fait européenne, qui est déjà en place et qui est en train de se mettre en place. Donc si là on trouve que la répression est dure, je pense qu'effectivement le réchauffement climatique va monter encore un peu, parce que ça va vraiment chauffer de plus en plus. Allez, bon courage, à bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt.